Pendant ce temps, ma chère Corinne Maziero, il y a Juliette Arnaud et Guillaume Meurice qui s'apprêtent à bondir dans vos oreilles via le trampoline du public pour notre grand jeu. Alors, on a pas le budget pour le faire, le jeu des 1000 euros. Ça va pas s'arranger, à mon avis. Donc, on a anticipé et on vous propose le jeu 100 euros. À vous, Juliette, à vous, Guillaume. Merci beaucoup. Merci, Charline Manoulakar. Et c'est parti pour une nouvelle édition du jeu 100 euros. Le jeu qui fait les heureux. Les panés. Bonsoir Juliette Arnaud. Et bonsoir Guillaume Meurice, une fois encore. Nous avons sélectionné la crème de la crème. Une candidate et un candidat dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Oui, vous êtes avec qui Juliette? Je suis avec Louise. Bonjour Louise, comment vous appelez-vous Louise? Louise. Ah, oui. Oh, comme Louise Michel. Hein, Corinne? Eh bien, quant à moi, Louise. Juliette... Oui. Non, ah, j'ai non, pas fini pas avec tour. Ma Louise. J'ai essayé de vous mansplainer, Juliette. Oui. Très difficile à faire comme avec ça vous. Ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Louise? Eh bien, je viens de gagner Danse avec les Stars. Je vais gagner Koh-Lanta, The Voice. Donc, votre jeu de débile, je vais le dégommer. Oh, mon Dieu, mais vous êtes Donald Trump. You are fired. Quand même, Louise Michel et Donald Trump dans la même femme. Ça fait peur. Quant à moi, Juliette, je suis avec Julien. Julien, quel est votre prénom? Julien. Ah bah Julien, comme Julien Sorel et Julien Mussolini. Coïncidence, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Julien? Je suis fan de Kenji Girac. Oh, intéressant. Bah alors là, c'est d'actu. Et quelles sont vos chansons préférées? Bang Bang et Les Yeux Revolver. Ah ouais, effectivement, de belles reprises. Et nous jouons pour quel cadeau, Guillaume? Alors, le cadeau du jour, c'est un très beau cadeau, puisque c'est une convocation gratuite à la police pour apologie du terrorisme. Vous avez juste à montrer ce petit drapeau palestinien. Voilà, vous le portez comme ça sur vous, et à vous, une nuit en pension complète au commissariat du 16e arrondissement. Oh, alors là, vraiment, Guillaume, c'est incroyable. Un cadeau, c'est incroyable. Et c'est parti pour le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des euros. Allez, et on commence avec la première question, mon petit Guillaume. Julien, soyez bien concentré, la question n'est pas facile. Quel est le nom du groupe de musique de Corinne Maziero? Est-ce que c'est les Vaginites? Est-ce que c'est les Chlamydias? Ou est-ce que c'est les Darmanins? Au choix, trois noms de maladies. Les Vaginites. Les Vaginites, 1-0 yeah pour Julien. Yes. À vous, Juliette. Alors... Louise, pour s'adapter au changement climatique et aux potentielles catastrophes naturelles, la Croix-Rouge préconise que chaque Français ait chez lui ce qu'elle appelle un cata-kit. Que contient ce cata-kit? Est-ce que c'est un sac d'urgence contenant de l'eau, une lampe torche, un briquet et d'autres choses du même style? Est-ce que c'est le même sac d'urgence avec en plus le livre « Dans l'œil du cyclone » de Guillaume Meurice, au cas où c'est un cyclone? Est-ce que c'est un sac contenant une bouteille de whisky, quelques cigarettes qui font rire et du gaz hilarant? Quelle est votre réponse, Louise? Bah, la réponse 2. Non, mais c'était... Mais, oui, mais j'aime bien cette réponse. Mais voilà, c'est une réponse... Ouais. Oui, c'est une réponse de gentil. Et donc, je regrette François, mais je lui donne le point. Ah, un partout! Mais comment merci on va faire François pour départager ces gens? On va passer sans plus attendre à la question bonus, Guillaume. La question... Alors, allez-y, la flamme Juliette. Olympique, taisez-vous, là il y a surtout. La flamme olympique est arrivée en France, elle va passer par plein de villes, mais accueillir la flamme olympique, figurez-vous que c'est payant. Eh oui, on se fait niquer. Mais niquer est la déesse grecque de la victoire, il y a une cohérence. Bref, combien ça coûte une journée de flamme olympique chez soi? Alors, Julien, un prix. 1 million d'euros. Combien vous avez dit? 150 millions d'euros. 150 millions d'euros la journée. Il doit pas bosser dans la finance non plus, Julien. Louise, votre réponse. Il a dit 150 millions, et à mon avis, c'est pas ça. Bah, 100 millions. Et c'est une bonne réponse. Ah, c'est plus près. C'est plus mais près. Bon, vous étiez assez pessimiste. Vous n'aimez pas la vie, ça se sent. Vous avez des têtes de dépressifs. La bonne réponse est 180 000 euros la journée. Il nous semblait que c'était déjà beaucoup, mais c'est Louise qui gagne. Oh là là, Julien, quel dommage. Bravo quand même, vous n'avez pas démérité. Bravo Louise. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des... Et pour participer à ce jeu, vous pouvez bien sûr réserver vos places sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est gratuit, c'est tous les dimanches soirs, un spectacle radiophonique pour vous offert et créé par le service public.